Hey, salut tout le monde, c'est Styler et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur 7 Days to Die. Alors voilà, donc ça y est, on a passé la horde du 7ème jour, donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode, on peut rester en vue comme ça, c'est sympa. Précédent, du coup, je vous invite à aller le voir, parce que du coup, on a fait une petite horde, on a eu un petit bug, en plus, on a eu Micheline, là, qui a traversé le plancher, là, qui nous tapait dans les bouliches, saleté Micheline, voilà. Donc, du coup, on a réussi à régler le problème assez rapidement, donc c'était cool. Donc voilà, donc du coup, on a fini notre boucle des défis, donc ça y est, du coup, tous les défis qui étaient en cours sur la phase des 7 jours précédentes a été réalisé, donc on a une base qui était ici et qui, du coup, bah, n'était pas construite de mes mains, j'ai juste récupéré une structure, donc du coup, on a rempli ce premier défi. Ensuite, nous avions un défi de construire une base anti-horde, donc elle est construite, et également en bois, donc du coup, elle était en bois et pas en pierre pavée ou je ne sais quoi. Du coup, prochain défi que j'ai décidé de valider, qui m'avait été proposé, c'est d'utiliser un bâtiment pour faire ma prochaine horde. Donc ça va être un truc qui va être un petit peu plus compliqué que ce que j'ai l'habitude de faire, mais je pense que j'ai déjà ma petite idée, donc ça devrait relativement bien se passer. Donc du coup, n'hésitez pas, hein, si vous avez des petites idées de défis à me proposer, du coup, pour les jours 8 à 14, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc aujourd'hui, on va aller looter le petit bâtiment qui est juste ici, parce que c'est vrai qu'il est très très simple à looter. Et après, je pense qu'on va peut-être recommencer à refaire un tour, voire peut-être dans le commissariat. Et le bâtiment qui est juste ici, vu qu'on les avait déjà lootés, peut-être qu'on pourra également les relooter. Déjà dans un premier temps, histoire de garantir de l'action, n'est-ce pas, mes petits idées. Nous allons donc commencer par ce petit bâtiment là-bas, où nous sommes sûrs... de trouver des Didier, parce que les Didier, on aime ça, hein, c'est juteux, c'est croquin fondant, comme dirait Cyril Lignac. Donc du coup, on apprécie à faire teming quand c'est juteux. Pour le raccourci, on va pas se faire chier à faire le POI en entier. La porte est verrouillée, donc du coup, crotte la porte, et on prend le raccourci. Voilà, pas échoué. Du coup, on va descendre en mode commando. Normalement, ils spawnent juste derrière la grille. Ouais, vous voyez ? Ils sont juste là. Oh, une petite tourelle. J'arrive jamais... Franchement, à force de faire des épisodes, des séries, des trucs un peu partout à droite, à gauche, honnêtement, je sais jamais après où j'en suis. Genre là, je peux même pas vous dire si la tourelle que j'en ai déjà looté une sur cette partie ou si je suis en train de confondre et que j'en avais pas encore sur cette game. Je suis vraiment à l'ouest total. Hop. Ouais, ah par contre l'acide, ça c'est super cool les 4 d'acide là. Je savais qu'il y avait un truc quelque part. Ouh, en plus putain. Armure recyclée niveau 3, du coup c'est mieux que ce que j'avais, et une jambière en acier, je crois que c'est ça. Hein. Non, fer. Donc, modifier, tac, tac, modifier, hop, on l'équipe. Et on échange, et on recycle, et on recycle. Bah ça on peut le récupérer. Hein. Tac. Tac. Ouh, la pierre pavée, on apprécie. La pierre pavée, c'est coutu, le ciment, c'est pareil. Donc si le jeu nous en offre gratuitement, on va quand même pas le refuser, quand même, ça serait... C'est pas gentil de le mettre de part, tu vois. Et voilà, c'était un petit POI assez rapidement looté. Donc c'est plutôt plaisant. Pareil, je sais qu'il y a la sortie bis qui est quelque part autour. Je sais plus du tout où elle est. L'arbre là, tu m'embêtes déjà, ça c'est clair et net. Voilà, et je sais plus si elle est devant ou derrière la sortie. Non, je me trompe de bâtiment? Ah non, oui, je me trompe, celui-là c'est celui où j'avais fait une exfiltration par le... Si je dis pas de bêtises... Oui, c'est ça. On va aller voir le petit bâtiment là-haut, voir si on peut aller grignoter un petit peu ce qu'il y a dedans. On passe par la tête, hein, on va repasser directement par le haut. T'as pas l'air d'avoir respawn. Ok.
même à aller checker en haut. Parce qu'il me semble qu'ici j'étais revenu plus tard looter, donc. Non. Non, 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 le loot n'est toujours pas revenu. Vous avez vu ça, Styler? Heureusement qu'il n'y avait pas de zombies, parce que là, du coup, je me serais pris un sous-démis sur la tronche. Bah, du coup, on va se faire une nouvelle maison. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Allez, c'est parti, une nouvelle maison. Bon, on va se faire le loot. On va aller sur le loot tout de suite, puis si on a le temps, on se fera une maison. Oh, bah, super, on a un drop. Impeccable, ça. Par contre, putain, 600 mètres, c'est long à pied. Une petite flèche dans le dos, ça fait plaisir. Hein. Bah. Du coup, si je sais pas bouger, moi ça me va. Hein. Il avait pas envie de bouger, le pépère, il était en mode pause. Ouais, de la bouffe et encore une jambe recyclée, c'est dommage, putain, je viens de looter une enfer, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi un peu pour ça que je galère au niveau de la stab. Parce que ouais, j'ai beaucoup de... Bah, j'ai que des pièces d'armure lourde, quasiment, donc forcément, ça consomme plus de stamina, quoi. Elle avait pas l'air contente, Micheline, hein. Et Micheline. J'aime pas très quand vous trottinez comme ça, parce que voilà, c'est pas cool. Bon. Bah comme d'hab, hein, on a accéléré. D'accord. Bah écoute, oui, si tu veux me faire du dégât, fais-moi du dégât. Ouais. Est-ce que je peux sortir vite là ou pas? Ouais, c'est bon. Est-ce que vu qu'ils courent vite, ces petits fumiers... Mais tu veux pas crever toi? Le drop, il pouvait pas tomber en direction de ma base. Comme ça, moi, quand je rentrais, je le récupérais sur le retour. Bah, en fait, il tombe à l'opposé, quoi. Non, pas la peine, tu prends. Allez, bah, maintenant, on se retape 500 mètres. Voilà, allez, impeccable. Eh ben, c'était une longue randonnée, là. Putain. J'espère au moins que t'es content de me voir. Ok, ouais, bon, écoute, on va prendre ça, ça permet d'avoir des gemmes et des bijoux précieux et tout. Donc, du coup, est-ce que t'as un respawn? Est-ce que t'as un respawn avec du petit loot sympa, Didier? Petite M4 tactique, j'aime pas du tout cette arme là.
Ok, bah je come back tomorrow alors. Je pense que je vais déposer tout ce que j'ai sur moi et je vais quand même aller voir le comico parce que je sais plus combien de temps j'ai mis de loot, mais je sais que le commissariat je l'avais fait dans l'épisode 3. Donc, du coup, peut-être que le loot est déjà revenu. Et c'est parti direction le commissariat. On a pris nous ? Ah oui. Du coup, je voulais prendre quoi ? Il est où déjà ? Ça, je l'ai déjà en plus, règle du cardio. On va prendre ça là. Ça permet d'avoir moins de pénalités d'endurance quand tu as une armure lourde. Du coup, tu consommes moins d'endurance quand tu cours. C'est pas épique, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Je l'ai pas voté. Ça, ils sont costauds les pépères là. T'as les foutre là-haut, mon gars. J'ai pas trop compris le pourquoi du comment. Mais... Vous faisiez quoi tous les deux là-dedans, hein? Cours Didier, cours! Ah, déjà le feu ça va te faire un peu du bien, tu vois, regarde. Ça attendrit la chair, mon gars. Parce qu'il y a un moment quand même, faut se calmer. Hein. Moi, tu me touches, je te couche. Hein. Bon alors, c'est pas moi qui ai du loot là. Voilà! Ok, un peu de munitions. Armure recyclée. Trop bon niveau 6 les gars, ça va casser du fiacre là. Il y a deux dégâts de plus quoi. Bon, le loot était pas présent mais bon c'est pas grave. Hop, on va se poser ça. Ok, oh un petit ragoût. Et bon bah dans une heure. Ok, enfin. Alors. Ok. Bon, bah, mis à part la masse niveau 4, sinon tout le reste c'est de la merde, hein, on va pas se le cacher. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire, c'est pas grave. Je vais juste mettre ça et ça à la scrap. Ouais. T'es sérieux? Le pauvre là il s'est fait chier à venir de dehors jusqu'ici pour crever devant moi quoi. Putain le pauvre, t'as vraiment une vie de merde toi. Ok. Bon bah on va rentrer à la maison les copains parce que bah... 18h, 19h. Donc ouais, il reste pas grand chose à faire. Coucou Micheline. Voilà, tu meurs, merci. Comme ça, moi je vais commencer à refarmer un peu l'argile et la pierre. Parce que j'ai vu mon gros caillou là-bas à casser. Et puis, commencer à farmer la pierre pavée. Parce que peut-être qu'avec un peu de chance, cette fois-ci, je pourrais enfin me faire une base en pierre pavée.
Surtout si je dois faire une horde dans un bâtiment prédéfini, ça pourrait être pas mal de pouvoir le renforcer un peu. Bon, et bien voilà les amis, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura fait plaisir, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Comme je vous disais en début d'épisode, hein, n'hésitez pas, si vous avez des petites idées pour les défis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Le petit pouce bleu, on s'abonne, on active la petite cloche de notification. Si jamais vous souhaitez me soutenir comme d'habitude, la petite page Tipeee, ou alors on clique sur le petit bouton rejoindre. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Portez-vous bien. Ciao.